Thiago Silva fracasse les dirigeants de Chelsea. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thiago Silva, les gars. Mais si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, Thiago Silva a fracassé ses dirigeants, les gars. Il a fracassé, il a envoyé un pic. Et franchement, lorsque tu vois ce Chelsea-là est catastrophique. Depuis que les dirigeants ont pris ce Chelsea-là, Chelsea ne met plus un pas devant l'autre. C'est tellement mauvais. Tu as des dirigeants qui ne connaissent rien au football. Chelsea a dépensé environ plus de 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, les gars. Mais ils sont 11e. Chelsea, on ne parle pas de Brighton, hein. On parle de Chelsea. Ils achètent à tort et à travers. Ils achètent vraiment en désordre. Ils ne font pas les bons choix. Pour moi, Chelsea n'aurait jamais dû virer Thomas Tuchel. Jamais de la vie. Ils ont viré Tuchel pour mettre Graham Potter. Graham Potter a été catastrophique. Ils ont pris Frank Lampard. Frank Lampard, pour lui, là, vraiment, c'est horrible. Depuis qu'il est là, c'est 4 matchs, 4 défaites. Écoutez bien, les amis. Depuis que Frank Lampard est là, 4 matchs, 4 défaites. C'est vraiment incroyable. Donc, si Chelsea veut se relever, ils doivent faire appel peut-être à un directeur sportif qui connaît bien le foot et qui va prendre les bonnes décisions, selon moi. Donc, le président de Chelsea doit arrêter de mettre son nez sur le recrutement, sur le football, parce qu'il est vraiment nul. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire par rapport à Chelsea. Les fans de Chelsea, là, partagez-moi votre ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.